Ah, ça va le Comedy Club, ça va bien? Ouais. Mortel, ouais, il a dit je m'appelle Walidia. Dia, c'est mon vrai nom de famille, hein, comme la célèbre marque de vêtements ou comme les magasins premier prix de merde. Vous connaissez ces magasins pourris où les yaourts, ils ont un goût de viande? C'est tout pourri là-bas, tout le monde sait que t'es dans la merde quand tu vas dans ce magasin. T'sais, les clients entre eux, ils le savent, ils se comprennent, ils se regardent. Un jour, on ira chez Lidl, t'inquiète pas. Alors, c'est pourri ce magasin, la caissière, elle est plus riche que les clients. Ils peuvent même pas se payer un vrai vigile, t'sais, un black en costard qui te casse le bras si tu voles un paquet de chips. Là-bas, ils ont que des petits roux qui boitent, que des petits gollums qui te courent après. T'sais, rends les chips, rends les chips, rends les chips, ça vient du Sénégal. Mon père est sénégalais. Et c'est compliqué de lui expliquer que je voulais devenir humoriste, tu vois. Je lui ai dit, ça y est, papa, je joue Jamel Comedy Club. Il m'a dit, Jamel Comedy quoi? De quoi tu parlais dans ton bus de cafard de merde, là? Mais papa, arrête, c'est ma passion. Je m'en fous de passion. Tu vas faire BEP comme tout le monde, hein. Mais arrête, c'est ce que je veux faire de ma vie. Je vais frapper ton tête fort. Je vais racler ça contre le crépi, là. Ça va fermer ta gueule de cougnouf, hein. Mais papa, ça me rapporte de l'argent. Avec cet argent, je vais pouvoir quitter la maison. C'est une bonne idée, ça. En plus, c'est vrai que c'était dur de trouver ce que je voulais faire dans la vie. Parce qu'à l'école, j'étais un fouteur de bordel. Il y en a qui foutaient le bordel parmi vous. La fouine, tu foutais le bordel à l'école? Fouine, c'était un cancre. Fuck les révisions, je me prends pas la tête. J'ai des antisèches écrits sur ma barbichette. La fouine, il venait en cours de musique, il prenait pas de flûte, il prenait son bouc. Il dirait... Un maximum de bruit pour Fouine, baby. En plus, il y avait des gens qui foutaient le bordel parmi vous. Comment tu t'appelles, mon pote? Abdelkrim. Ah, ok. Donc on sait direct que t'es un criminel, ça fait plaisir. Tu faisais quoi comme connerie en cours, Abdelkrim? C'est un fou, mais dans sa tête, Abdelkrim. Ouais, moi je suis un malade, moi je suis un dingue, je suis un fou, un jour en cours, t'sais, un jour en cours, t'sais, un jour, t'sais, je suis pas venu. Abdelkrim, tu sais que tu faisais flipper les profs, toi, c'est genre le mec qui fait flipper les profs, t'sais, ils ont peur des éléments comme lui, les profs, les jours de rentrée, ils sont pas bien, ils sont là, t'sais. Allez, j'en m'imitais plus fort que ça. 5 ans d'études, c'est pas le moment de se chier dessus, allez. Oh, puis j'appelle tous les dieux, je m'en fous. Halawa. À quoi boulevard? Comment ils font les juifs? Ah oui. Oh, allez, 1, 2. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Bonjour. Oh putain, il y a encore Abdelkrim dans la classe. C'est un malade, le mec des fois il vient pas et tout, c'est un fou. Je vais faire l'appel. Et là, il te sortait la phrase que t'entends à tous les jours de rentrée. Je vais peut-être un petit peu écorcher vos prénoms. Rachid Belaoui. Pardon. Oublie. Ouh, pique les yeux celui-là. Mamoudou, Les profs, ils devenaient tellement fous qu'ils essayaient d'inventer des armes, tu sais, pour nous stopper. Genre, vous vous rappelez du carnet de correspondance? Le casier judiciaire des élèves. Plus t'avais de mots dedans, plus t'étais un gangster. Bah, t'es un gangster jusqu'à ce que tu doives le faire signer par tes parents. Et plus de gangster, moi, mon père, tellement c'était un sadique. Quand j'ai amené le carnet, au lieu d'être en colère, il était heureux. Il était là, tu sais. Putain! C'est la merde, hein, ouais. C'est mon fils, il a fait tout ça. Non, il va mourir, ouais. Viens. Viens, je vais pas te taper, viens. Non, tu sais, moi, j'ai pas lu ça, je sais pas lire ça, mais... J'ai senti. Ça, ça, la merde pour toi, hein. C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie, hein. Mais pour toi, l'aventure s'arrête là. Tiens, nominé! Mais le pire, c'était la réunion parents-prof. C'est la réunion parents-prof, tu préfères que ce soit un de tes parents qui aille. Tu vois, des fois, tu préfères que ce soit ta mère, des fois, tu préfères que ce soit ta mère. Ça dépend vraiment de... Et moi, mon père, il est arrivé là-bas, le prof, il a dit, écoutez, il semblerait que les résultats de votre fils sont en baisse, je crois qu'il y a quelque chose qui le stresse à la maison. Qu'est-ce que c'est ce qui le stressait dans la maison? Qu'est-ce que c'est ce qui le stressait lui?
dans la maison que j'ai payé moi. C'est-à-dire, c'est lui, il jouait des Nintendo, c'est moi, j'ai payé l'électricité, mais c'est lui, il est stressé. C'est lui, il mangeait de Kellogg's, c'est moi, j'ai fait les courses, mais c'est lui, il est stressé, ouais. Ouais, d'accord, ouais, tu as peur de quelque chose, quoi. Tu as peur de quoi? C'est quoi qui te fait peur? Y'a un problème? Hein? Y'a un problème? T'as un problème? Y'a pas de problème. Il était fou, mais le truc, c'est que tous mes potes savaient que mon père était fou. Et du coup, dès que j'avais un truc à faire signer ou que j'étais convoqué, ils m'attendaient tous en bas de chez moi, ils faisaient des chorés pour m'énerver. Ils étaient là, tu vas souffrir, mais avant de crever, donne-moi ta PlayStation. En cours, t'as voulu foutre la merde, maintenant ton père, il veut t'envoyer au bled. Wouh! Tu vas souffrir avec moi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Merci le Comedy Club, merci beaucoup.